Viva l'écologie! 1, 2, 3, viva l'écologie! 1, 2, 3, viva l'écologie! 1, 2, 3, viva l'écologie! Unis oui pour l'écologie, oui,
Strasbourg, est-ce qu'on va le faire? Il y a des manifs comme ça qui se déroulent partout dans le monde. Faites du bruit pour Paris, pour Grenoble, pour la Suède, pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pour partout. Vous unissez le monde. Bravo. Alors, on va passer au discours. Il faut juste que vous faites moins fort pour qu'on puisse entendre quelque chose. S'il vous plaît, baissez les pancartes pour que les gens puissent, pour que le son passe mieux. D'accord? Merci beaucoup. Parce que notre présence là, c'est pas seulement une contestation. C'est la preuve que la jeunesse est réveillée, qu'elle est là et que nous avons des propositions à défendre. Pour montrer un monde politique complètement gangréné, qu'on est là et qu'on peut le changer. Faites du bruit. Parce qu'on peut aussi porter de l'espoir, on a des revendications et on va vous faire les services. Alors, prise de parole de la place de Youth of Planet Strasbourg. Donc on commence. Alors on commence tout de suite, allez go. Nous souhaitions vous dire quelques mots au nom de Youth for Climate Strasbourg qui a essayé d'organiser cette manifestation, cette grande manifestation aujourd'hui. Je vois qu'il y a énormément de monde, c'est génial, c'est génial. Bon. Pourquoi on est là aujourd'hui? Oui. Étudiante, étudiant, lycéen, lycéenne, collégien, collégienne, plus jeune, plus fort, mais tu... plus vieux. Ok, d'accord. Nous avons peur. Peur pour notre avenir. Peur de la multiplication des catastrophes naturelles, peur de l'intensification de la sécheresse et des inondations, peur du renforcement des inégalités à l'échelle mondiale, peur de la pollution de l'air, du sol, de l'eau, peur des famines qui vont en résulter, peur de la disparition des terres sur lesquelles vivent des millions de personnes. Ça fait 50 ans que les scientifiques nous mettent en garde. 50 ans qu'on ne les écoute pas. Réveillons-nous. Personne d'autre que nous-mêmes ne viendra résoudre la crise. Nous l'avons compris. Mais il est encore temps. Nous refusons ce fatalisme. Nous refusons de croire qu'il ne nous est pas donné d'autre avenir. Pour cette raison, nous nous mobilisons aujourd'hui et jusqu'à ce que des mesures concrètes et efficaces soient prises, nous exigeons de nos politiques qui, elles, se montrent à la hauteur. De plus, dans plus d'une centaine de pays, la jeunesse se rassemble. Partout dans le monde, notre génération crie « Ça suffit !» Alors à vous qui avez été élus, agissez maintenant. Agissez car nous sommes prêts. Prêts à changer nos modes de vie. Prêts à mettre en place des alternatives qui existent déjà. Nous, jeunes et moins jeunes, sommes déterminés. Nous ne lâcherons rien. Nous allons veiller à ce que les générations futures aient une planète qui abrite la vie. Nous sommes pleins d'espoir. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons réussir. Et aujourd'hui, nous le prouvons. Merci.
Sophia, 9 ans, va prendre la parole. C'est pas. Vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Sophia, j'ai 9 ans. Je suis contente de voir autant de jeunes se mobiliser pour le climat. Comme l'avait demandé Greta Thunberg, la jeune militante suédoise, je manifeste tous les mercredis devant le Parlement européen. Et ce, pour attirer l'attention des politiques, leur demander une véritable politique environnementale. Ouais et aussi, pour dénoncer l'inaction du gouvernement contre le réchauffement climatique. Il y a urgence à agir. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Il faut une loi climat qui oblige les industriels à limiter, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et rester sous les 2 degrés de réchauffement. Et pour ceux qui ne respecteraient pas la loi, eh bien, il faudrait les punir sévèrement. Si vous ne voulez pas... Attendez la fin du discours, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas changer les choses aujourd'hui, eh bien nous les jeunes, on va le faire et instaurer un vrai rapport de force. La grève mondiale pour le climat, ce n'est pas seulement sécher les cours pour manifester, c'est aussi réfléchir à de nouvelles solutions. Aidez-nous à protéger notre planète. Et là, je m'adresse aux adultes et à nos parents. Allez nettoyer votre rue des plastiques. Allez nettoyer les bords de route. Allez nettoyer les parcs. Allez nettoyer les cours d'eau près de chez vous. Réduire la consommation de viande. Utiliser les transports en commun et les vélos. Voilà. Merci. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat. What do you want? The justice. What do you want it? Now. What do you want? Justice. When do you want it? Now. What do you want? Justice. When do you want it? Now. What do you want? Justice. When do you want it? Now. What do you want? Justice. When do you want it? Now. What do you want? When do you want it? Now. What do you want? Justice. When do you want it? Now. What do you want? Justice. When do you want it? Now. What do you want? Justice. When do you want it? Now. Okay. Et juste avant de partir, encore une mesure symbolique. On va demander à tout le monde de s'asseoir, un sit-in. Oui, un sit-in. Pour montrer que la jeunesse, elle, se bouge. Non, on va se relever pour
On va tous s'asseoir pour après avoir se relever, pour montrer que la jeunesse, elle, contrairement aux politiques, se bouge, se lève contre les injustices. L'injustice de l'inaction climatique. Asseyez-vous, tous. Enfin, nous aussi. Et 1, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Plus fort. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Ok, on va commencer le cortège. On va juste vous donner quelques... On va juste vous donner quelques consignes avant. Vas-y, crie bien. Crie, ouais. Alors, on va se diriger place Broglie. Puis ensuite, place de la République, on tournera université et on filera aux institutions européennes. Let's go, Strasbourg!
C'est un cri contre l'humanité. Et un, et deux, et trois, degrés. C'est un cri contre l'humanité. Et deux, et trois, degrés. C'est un cri contre l'humanité. Et un, et deux, et trois, degrés. C'est un cri contre l'humanité. On va y aller. Est-ce que vous pouvez juste nous laisser un passage là au milieu pour qu'on puisse passer? Pour que la sonne puisse aller devant, laissez-nous un petit passage. Merci. What do you want? When do you want it? Est-ce que vous êtes prêts? Justice!
Salut, ça va? Ça va. Comme plus d'habitude, t'as une idée du nombre? Écoute, un des encadrants de l'AFGES, 10 300. Combien? 10 300. Et j'ai... Ah ouais? C'est la seule source. Je n'ai pas demandé plus. Hein. Hein? On a l'air plus quand même. Hein. Par rapport à un livre de syndicat où il y a 1000 personnes. Thank you.
fin de cortège qui sort de la place Kléber. On va s'arrêter là pour ce live. Plusieurs milliers de personnes, pas vraiment d'estimation. Mais en tout cas, plusieurs milliers de lycéens sur la place. Voilà, on se retrouvera dans la journée avec un portfolio, pas mal de photos de cette manifestation. Voilà, à très vite sur la 89 Strasbourg. Merci beaucoup.